j'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser pour l'éclairage de merde. Vous savez, c'est l'hiver, il commence à faire noir très tôt. Et donc là, le soleil est en train de se coucher, puis la lumière est juste dégueulasse. Mais là, il fallait absolument que je fasse une intro. Bref, aujourd'hui, je vous présente le maquillage que j'ai présentement avec ma palette que j'ai reçue pour Noël. Donc, c'est un petit coffret comme ça de chez Too Faced. Donc, on vient enlever le top comme ça. On l'ouvre et c'est-tu pas merveilleux? Ils offrent dans le coffret un petit rouge à lèvres, un petit échantillon du mascara et un petit échantillon aussi du primer pour les yeux. Et bien sûr, une super belle palette. Et je ne vous parle pas de l'odeur. Oh my god! Ça sent vraiment le chocolat un peu sucré. Elle sent tellement bonne cette palette-là. Dans le fond, elle comprend un highlight, un bronzer, un blush, puis tout le reste c'est des ombres à paupières. Donc c'est avec celle-là que je vais faire mon maquillage d'aujourd'hui. Ah, je voulais vous dire aussi qu'on est présentement dans ma nouvelle chambre. Il n'y a rien de décoré encore. J'avais parlé que j'allais faire un room tour et tout, mais j'ai vraiment pas eu le temps de la finir, d'installer comme ma tablette et tout et toutes mes décorations. Donc j'ai encore des murs vides. Alors je sais pas c'est quand que je vais la filmer, mais bref, c'est pour ça que j'ai filmé cette vidéo-là aujourd'hui. Alors sans plus tarder, commençons tout de suite la vidéo. Pour commencer, la première étape que je fais toujours, c'est dégager les cheveux de mon visage et bien sûr prendre ma base habituelle de Bioderma. J'applique surtout sur ma zone T et un petit peu partout sur mon visage. Ensuite, je prends mon fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever que j'applique un petit peu partout et je l'estompe ensuite avec mon éponge de maquillage de Real Technique. Ensuite, je prends mon cache-cerne Naked Skin de Urban Decay et je l'applique comme à l'habitude, toujours aux mêmes endroits, sous mes yeux ainsi que ma zone T. Je le prends toujours un petit peu plus pâle que ma peau pour illuminer mon visage et ensuite je l'estompe avec mon éponge de maquillage et je viens poudrer le tout avec ma poudre pour sous les yeux de Laura Mercier, as usual. Et bien sûr, je poudre tout mon visage avec une poudre encore une fois de chez Laura Mercier, mais celle-ci c'est la translucide pour le visage et j'aime beaucoup l'appliquer avec mon éponge de maquillage également. Et ensuite, je fais mes sourcils, mais je trouve ça pas nécessaire de vous montrer, donc voilà. Et c'est enfin le moment où je vais maquiller mes yeux avec la merveilleuse palette de chez Too Faced. Et je prends le bronzer, c'est le Chocolate Soleil, le bronzer très très populaire chez Too Faced. Et je l'applique bien sûr dans le creux de mes joues. Je me fais un petit contouring du nez. Et je prends un pinceau un petit peu plus gros pour appliquer la matière un petit peu partout pour réchauffer mon teint. Ensuite, je prends le blush de la palette et je l'applique sur mes pommettes. Et je prends le merveilleux highlight et je l'applique sur mes pommettes ainsi que légèrement sur mon nez et bien sûr au-dessus de la lèvre parce que je trouve que ça va être tellement beau. Oh my god! Et je prends ma base à paupières. Et je l'applique bien sûr sur mes paupières, quoi. Logique. Et là, regardez pas mes ongles, je le sais, sont vraiment horribles. Puis la première couleur que je vais prendre, c'est Banana Date que je vais appliquer sur toute ma paupière pour bien venir l'unifier et aider à ce que l'effort s'estompe plus facilement. Ensuite, je prends la couleur Chocaholic que j'applique avec un gros pinceau estompeur tout dans le creux de ma paupière pour aider à ce que les autres fards un petit peu plus foncés s'estompent mieux. Donc ensuite, je prends le bronzer Chocolate Soleil que j'applique avec un pinceau un petit peu plus fluffy pointu, si je peux dire. Ensuite, je prends la couleur Tootsie, je pense que c'est comme ça qu'on la nomme, et je l'applique surtout au coin externe pour, dans le fond, venir faire un petit peu un effet liftant à mon œil et l'approfondir. Je prends un pinceau estompeur et j'estompe le tout, bien sûr. Puis je prends la couleur Pound Cake, je sais pas si je le prononce bien, et un petit fixatif à maquillage de NYX que j'applique sur mon pinceau pour venir intensifier cette couleur. J'aime tellement cette couleur, pour de vrai, c'est juste trop beau. Ensuite, je reprends la couleur Chocolate Soleil, donc le bronzer, et je reviens la mettre un petit peu dans le creux de mon œil et j'estompe. Comme je vous dirai jamais assez, on estompe, estompe, estompe.
Puis je prends mon fameux eyeliner de chez Blink et je viens faire un léger trait au ras de mes cils que je viens étirer légèrement à mon coin interne. Et je reprends la couleur Chocolate Soleil que je viens mettre au ras de mes cils inférieurs. Pour venir foncer encore plus mon regard, je viens prendre un crayon gel crème de Colourpop que j'applique à l'intérieur de mon œil. Puis je reprends mon highlight que je viens mettre à mon coin interne pour venir chercher de la lumière. Et j'en mets légèrement aussi à mon arc sourcilière. Et maintenant, c'est le temps du mascara. Alors, je prends le Better Than Sex, bien sûr. Et la petite touche finale, c'est le fameux rouge à lèvres qui venait également dans le coffret, qui sent le chocolat et goûte un peu le chocolat. C'est juste merveilleux. La couleur est parfaite avec ce look-là. D'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de laisser un beau petit like, de me laisser des commentaires aussi et de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche qui va vous envoyer en fait des notifications de quand je vais publier une vidéo. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Alors, j'espère vous revoir très bientôt. Bye tout le monde!